Vous allez pas partir comme ça. Vous allez pas me laisser tout seul. Appelez-moi Hubert, je partais, je vais rentrer chez moi. Mais non, Anne-Sophie, je le pensais pas. Mais j'ai dit ça pour le faire rire, mais je le pensais pas. Sa mère est folle. Elle est incapable de s'en occuper. Alors ça m'angoisse. Beaucoup. Énormément. Du coup, je me rends compte à quel point vous êtes indispensable pour l'équilibre de cet enfant. Moi, chérie. Alors peut-être que je dis pas suffisamment les choses, mais je vous estime beaucoup. Et j'apprécie tout ce que vous faites pour elle. Et quand vous me rouspétez comme ça, là... Non mais ça va, arrêtez maintenant, c'est insupportable. Reprenez-vous. Pardon, oui. Allez, mon bébé. Ton papa va s'occuper de toi. Vous êtes indécent et votre petit jeu d'acteur là, mais vous n'êtes même pas bon. Comment ? Vous êtes irresponsable. Mais oui ! Oui, je suis irresponsable. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Allez, Anne-Sophie. Écoutez, je vais rester, mais c'est pour Mila que je le fais. Et quand on va rentrer, vous allez vous trouver quelqu'un d'autre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Mais non, je comprends pas non plus. Vous êtes pathétique. Viens là, ma chérie. Oui, mon yo-yo. Oui, écoutez. Valise.